Faut te souvenir. Oh non, d'un monstre moisi. Vous êtes en cours de décomposition. Ce n'est pas un rassemblement ou une petite soirée entre vous. Vous ne savez pas à quel point vous avez de la chance d'aller dans une école comme Monster High. Mais nous aimons beaucoup notre école, nous... Ça suffit. En punition, vous allez tous me faire une rédaction sur le thème « Pourquoi je me sens chez moi ici à Monster High ?» Et n'oubliez pas, je ne donne jamais 20 sur 20. Bon, je crois qu'on devrait se mettre au travail. Moi, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi je me sens chez moi à Monster High? Une présentation électrisante par la classe de décomposition de Monsieur Rotter. Faut te souvenir. Pourquoi je me sens chez moi à Monster High? Eh bien, quand j'étais la petite nouvelle de l'école, tout le monde m'a fait sentir que j'étais chez moi ici. Et en très peu de temps, j'avais tellement d'amis que je n'avais pas assez de bras pour toutes les enlacer. Je suis Batsy Claro du Costa Shrika. Je me sens chez moi à Monster High parce que je suis entourée d'élèves qui ont tous envie de faire de ce monde un endroit meilleur. Je suis Izzy. Je me sens chez moi ici parce que tout le monde m'accepte et accepte aussi ma façon de m'exprimer. Voilà, c'est Marie Coxy. Et on m'avait enseigné qu'il n'y avait qu'un seul genre de beauté, les grands pieds. Mais à Monster High, j'ai appris qu'il y avait toutes sortes de beautés et qu'elles avaient toutes la même valeur. À Rotland, ma famille acceptait très mal le fait que j'adorais me trouver devant un appareil photo. Ah! Mais ici, je peux être moi-même. Je me sens chez moi à Monster High parce que quoi qu'il arrive, ici, on est toujours bien accueillis. Même si on est un tout petit peu méchante. Gory. D'accord, horriblement méchante. Ça va. Je suis Trollhammer 530. Oh, je veux dire, Jersey. Avant, j'allais à l'école près de chez moi avec mes trois frères. Ils étaient plus grands que moi et quand ils étaient là, personne ne me remarquait. Ni moi, ni mes talents. Je me sens chez moi à Monster High parce qu'ici... Tout le monde sait que j'existe. J'ai tout gagné. Je suis Harper et j'adore collectionner les choses brillantes. J'étais sûre que tout le monde allait se moquer de moi. Je me sens chez moi à Monster High parce que ça n'a pas été le cas. Ici Finnegan Rider, je me sens chez moi à Monster High parce qu'ici, j'assure. Si je décide de faire un truc, j'y arrive toujours. Pourquoi on se sent chez nous à Monster High? Parce que tous les monstres y sont les bienvenus avec tous leurs défauts bizarres. Vingt sur vingt pour tout le monde. Faut te souvenir. De nombreux monstres sont à la recherche de quelque chose. Mais parfois, quand ils se mettent en quête, ils trouvent quelque chose de bien mieux encore. Bienvenue au Costa Shrika. On y trouve des gens redoutables, des animaux exotiques et... Batsy Claro. Pas dans ma jungle. Sportive, intrépide, grande protectrice de la jungle, Batsy est toujours prête à protéger son cher Costa Shrika natal. Non seulement Batsy a une ouïe exceptionnelle, mais son écholocalisation de chauve-souris lui permet de projeter sa voix. Quelqu'un est en train de cueillir une orchidée fantôme. C'est une espèce protégée. L'orchidée fantôme, une fleur de la jungle extrêmement rare et en voie de disparition. Et Batsy vient de manquer le bateau. On l'emmène où, cette plante, finalement? Elle va à Monster High. Un village de trolls en Goroway. Je vous présente Tom, Grunt et Clobber. Alors, les trolls, qui veut jouer? Moi, je veux jouer. Et voici leur sœur, Jersey. On ne peut pas dire qu'elle soit très sportive. Bowling de trolls. Je veux ma revanche. Bien sûr, Jersey.
Mort ou vif, le jeu vidéo. Tu crois pouvoir nous battre au jeu vidéo? Et j'ai gagné. Hein? Comment tu as fait? Et j'ai encore gagné. Vous avez vu? Je suis numéro 1 dans le monde entier. C'est toi, Trollhammer 530. Personne n'a encore jamais réussi à te battre. Oui, je sais. Encore une petite partie? Quoi? Qui a osé me battre? Miss Mort ou Vif? On dirait que je vais devoir aller à Monster High pour récupérer mon titre. Izzy Down Dancer. Elle vit à Bouxico. Izzy adore pratiquer les danses traditionnelles de son pays. Les membres de la famille d'Izzy ont des visions. Oh! Hé! Reviens! J'ai eu une vision. Il y avait un endroit appelé Monster High. Tu dois absolument aller là-bas, Izzy. Non! Je ne veux pas quitter ma famille. Tu dois suivre ta vision. C'est la seule façon de savoir ce qu'elle signifie. Tu dois te rendre à ce Monster High. Mais d'abord, dansons une dernière fois en famille. Trois ghouls qui cherchent quelque chose. Une plante rare, un titre convoité et une signification mystérieuse. Trouveront-elles ce qu'elles cherchent à Monster High ou trouveront-elles quelque chose d'encore mieux? Bienvenue, chers ghouls et chers monstres, sous le plus grand chapiteau du monde. Vous allez admirer des magiciens, des mimes, des marionnettes, toutes sortes de numéros monstrueux. Et maintenant, voici la reine du chapiteau, la nouvelle ghoul d'une école sans pareil, Ghouliop Sherrington. Bienvenue au Fric du Chic, un spectacle monstrueux. La nuit du fric du chic commence à peine et le spectacle bat son plein. Mais si vous voulez bien, commençons par un petit retour en arrière. Tout a commencé il y a 2 jours, quand nous avons rencontré le comptable grincheux de l'école. Monsieur Grinderson, puis-je savoir ce qui vous amène loin de vos chiffres? Simplement le fait que votre chère école n'aura bientôt plus un sou. Nous devons supprimer certains cours. Et lesquels, selon vous? Les cours d'art, c'est terminé. C'est une perte de temps et d'argent. Plus de peinture, plus de musique, et surtout, surtout plus de théâtre. Les arts sont aussi importants que l'apprentissage des langues mortes et des équations sinistres. C'est hors de question. Le conseil d'éducation a déjà décidé de m'accorder les pleins pouvoirs pour faire toutes les économies que je jugerai nécessaires. Votre attention, je vous prie. Vous allez me ranger vos pinceaux, vos instruments de musique et vos déguisements tout de suite. L'art sous toutes ses formes à Monster High ne sera plus enseigné. Mais nous allions bientôt découvrir la petite nouvelle de Monster High. Ça m'est bien égal ce qu'a dit ce troll de Monsieur Grinderson. Je veux absolument sauver ses cours. Il y a peut-être un moyen de les sauver, je ne sais pas, en récoltant des fonds. Au secours! Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'onde positive qui se répand à l'intérieur de moi? Je crois que ça signifie que tu es d'accord avec Frankie. Je n'aime pas ça du tout. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui pourrait nous aider. Oh, effrayant. Qui est là? Je suis désolée. Parfois, ça m'arrive quand je suis nerveuse. Oh, je m'appelle Ghouliop Sherrington. Hé, vous avez trouvé mon coffre? Oh, c'est exactement ce que je cherchais. Tu es une ghoul de cire? Depuis toujours. Ma famille était célèbre avec son spectacle monstrueux, le Fric du Chic. Un spectacle de monstres fabuleux. Maintenant que j'ai trouvé mon coffre, je peux recommencer à faire ce que j'aime. Au travail, maintenant! Je viens d'avoir une idée géniale! Si nous montions notre propre Fric du Chic, nous pourrions utiliser l'argent de la vente des tickets pour sauver les cours d'art à Monster High. Je peux vous aider? Oh, c'est génial, ça va être très bien. Je sais faire des costumes, des décors, tout ce dont vous allez avoir besoin pour mettre en place un spectacle fantastique! Oui, nous allons avoir beaucoup à faire. Oh, Grinderson. Je n'arrive pas à croire que ce troll comptable a réussi à faire supprimer tous les cours d'art à Monster High. Oh, ne m'en parle pas. Je ne pourrai jamais montrer ce que je sais faire avec des échasses. Wow, ça, c'est une entrée. Je m'appelle Ghouliop Sherrington et je suis la reine du chapiteau Fric du Chic. Vous voulez sauver les cours d'art ici à Monster High? Alors notez cette date dans votre agenda, parce que la semaine prochaine aura lieu le plus grand
pourrait les aider. On a quelques talents. J'ai mes échasses. Et moi, j'ai ma petite idée. Ils essaient de monter une sorte de spectacle de cirque. Ces ghouls veulent utiliser l'argent des entrées pour sauver les cours d'art. Et sans même avoir consulté. C'est un spectacle non autorisé sur la propriété privée de l'école. Et selon vous, quelles mesures doit prendre le conseil d'éducation? Je veux que vous mettiez fin à tout ce cirque. Non! Arrêtez ça immédiatement. Ces ghouls sont en train d'accomplir des prodiges pour sauver les cours d'art. Il faut vraiment que ce spectacle ait lieu. Mais elles sont en train d'enfreindre les règles. Nous autoriserons le spectacle de vos élèves, mais tout devra être terminé ce soir à minuit. Si elles n'arrivent pas à récolter cet argent, la question sera réglée. Ce soir? Mais on devait jouer la semaine prochaine. On n'est pas prête à faire un spectacle ce soir. Hé, parle pour toi, ma chère Frankie. Ton chaton préféré est prêt à faire son entrée. Je n'ai pas pu faire mieux, Frankie. Le conseil d'éducation a été absolument formel. C'était leur dernier mot, croyez-moi. Bon, vous savez ce qu'on dit? Eh bien, au travail, maintenant. Écoutez, les ghouls, je vous fais entièrement confiance. Et si vous nous montriez ce que vous savez faire? Ça va être mortel. Elles ont suivi un cours intensif sur les techniques de base. Fric du chic. Impressionnant. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je n'ai pas encore fini. Désolée, Frankie. J'ai encore un peu de mal avec ma marionnette. Qui a mis cette boîte ici? Un cours intensif, tu disais. On veut apprendre. Tu es d'accord, Gouliop? Plus on est de fous, plus on rit. Il nous restait à peine une heure avant le début de notre grand spectacle Fric du Chic. Nous voulions utiliser nos défauts bizarres pour récolter des fonds et sauver les cours d'art à Monster High. Mais nous pensions avoir échoué. Alors, vous allez rester là? Vous allez abandonner le spectacle? Oui, plus ou moins. Je t'assure, Gouliop, je pensais que ça allait être le plus grand spectacle de notre vie. Mais ce soir, à minuit, les cours seront définitivement supprimés. Vous voulez vraiment vivre dans un monde sans art? Je suis passée par là. Après avoir perdu mon coffre, je ne pouvais plus jouer. La vie était fade. Plus rien n'avait de sens. Avez-vous déjà essayé d'imaginer à quoi ressemblerait Monster High sans art? Il faut que nous réessayons. Oui, d'accord, les filles. Croyez-moi, vous y étiez presque. Le problème, c'est que vous étiez tellement occupées à penser à vos propres numéros que vous avez oublié que c'était aussi un travail d'équipe. Vous aviez tellement le trac sous les projecteurs que vous n'avez pas fait attention à ce que les autres artistes faisaient. Oui, je comprends. Un spectacle, ce n'est pas réussir un numéro. Nous faisons partie d'un ensemble. C'est ça, l'art. Voici le spectacle Fric du Chic. Ces ghouls vous accordent une chance de sauver les cours d'art à Monster High. Tous les dons que vous faites via le réseau e-cercueil nous rapprochent de notre but. Nous avons jusqu'à minuit pour sauver les arts. Que le spectacle commence, les ghouls! Continuez vos dons, nous y sommes presque. Ça suffit, on en a bien assez vu. Mais monsieur Grunderson, il nous reste encore 5 minutes. Vous n'y arriverez jamais à temps. Ces restrictions sont pour le bien de l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Gouliop, ça lui arrive quand elle est nerveuse ou en colère. Il vous adore! On ne savait pas que vous étiez un si grand artiste! Moi? Un artiste? Il m'aime bien! C'est la première fois de ma vie qu'on m'aime bien! Un beau spectacle! Ce n'est pas
seulement un spectacle, Madame le Professeur, c'est de l'art. Oui, c'est le fric du chic. De trois nouvelles goules qui participent au programme d'échange de Monster High. Batsy cherche une fleur en voie de disparition qui a été cueillie dans son pays, le Costa Rica. La redoutable joueuse Kirsty veut retrouver la goule qui a battu son score. Et c'est une vision qui a amené Izzy à Monster High. Elle veut découvrir sa signification. L'orchidée fantôme! Tu vas voir, espèce de braconnier de plantes protégées, je vais ramener tout de suite cette orchidée fantôme au Costa Rica. Si tu veux, on peut faire ça calmement. Ou d'une autre façon. Miss Marubi, je suppose. Je m'appelle Kirsty, mais tu me connais déjà sous le nom de Trollhammer 530. Tu as battu mon meilleur score et je suis venue te lancer un défi. Encore une partie. J'ai gagné. Mais pourquoi m'as-tu emmené ici? Magnifique, n'est-ce pas? Et elle va repartir avec moi. Sais-tu seulement combien il reste d'orchidées fantômes dans le monde entier? Oui, 37. D'accord, celle-là je l'avais pas vu venir. Je travaille sur un nouvel engrais qui devrait tripler la pollinisation de l'orchidée fantôme et préserver l'espèce. Cette orchidée fantôme va rester ici, à Monster High. Et moi aussi. Rock'n'Troll, t'es trop forte! Est-ce que tu veux jouer à autre chose? Bon, maintenant, dis-moi pourquoi je suis là. Oh, mais elles dansent! Oh, elles essaient de danser. Vous faites n'importe quoi, vous gâchez toute ma chorégraphie. Oh, on n'arrivera jamais à réaliser cette nouvelle danse. Je peux vous en montrer une autre. Tu as appris à bouger comme ça? Dans ma famille. Je m'appelle Izzy Dawn Dancer et je viens de comprendre pourquoi je suis là. Trois goules très différentes. Non seulement elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient, mais elles ont trouvé quelque chose qu'elles désiraient sans le savoir. Batsy cherchait une plante, mais elle a aussi trouvé une alliée. Kirsty était venue pour défendre son titre, mais elle a trouvé mieux encore, une amie. Et la vision d'Izzy l'a entraînée loin de sa famille pour transmettre un peu de son extraordinaire culture aux autres. J'ai rêvé ou je viens? Voir. Non, ce n'est pas possible.